Je m'appelle Pauline De Witt, je suis psychiatre et addictologue dans le service du professeur Lejoyeux en tant que chef de clinique. Et j'ai eu l'occasion en fait de présenter ce poster qui est un travail issu d'un mémoire que j'avais fait dirigé par le professeur Gorwood à la clinique des maladies et de l'encéphale à Paris sur donc l'anorexie mentale et spécifiquement l'utilisation du délai discounting dans l'anorexie mentale. Bonjour, je suis le docteur Romain Gommet. Je remercie le congrès de l'encéphale de me permettre cette année de présenter un travail autour d'un programme de thérapie que nous avons mis en place qui s'appelle le programme L'Envol. Mesdames, Messieurs, chers amis, pour initier ces années que nous souhaitons tout aussi stimulantes, notre communauté psychiatrique se réunit pour cette édition 2020 du congrès de l'encéphale. Reconstruire, refonder. Voilà le thème de cette édition 2020 du congrès de l'encéphale. Aujourd'hui, en tant qu'épouse du président de la République, Madame Macron a souhaité entendre notre communauté. Je me dis, Madame Macron, que voilà bien un réflexe de psychiatre que celui d'écouter. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de déclarer ouverte cette édition 2020 du congrès de l'encéphale. Merci, Madame Macron, pour votre présence. Nous en sommes très honorés. Vous avez la parole. Depuis la campagne, quand Emmanuel, mon mari, a commencé à faire campagne, je suis interpellée sur les sujets de problèmes de maladies mentales, de sujets où on dit « Madame, on est perdu, on n'arrive pas à avoir de diagnostic, on ne sait pas comment faire, on voit bien que notre enfant a des problèmes, mais on nous renvoie, on dit « Non, ce sont vos angoisses ». Donc il y a d'énormes sujets et pour ces sujets, je n'ai que des interrogations. C'est pour ça que j'avais envie de vous rencontrer aujourd'hui. L'événement à part encéphale a déjà eu lieu dans ce palais des congrès. Hey, calmez-vous, ça va. J'essaye d'être discret dans ce pays, j'essaye de m'intégrer. Y a des flamands ou pas ?